Martin Fayoulou et son parti ne font pas partie de ce processus. Mais les trois autres avec qui ils sont venus font partie du processus. Ils nous contactent en informel. Nous leur parlons en informel. Et ils ont soumis leur candidature. Ça signifie quoi? Ça signifie peut-être qu'ils ne parlent pas à haute voix pour dire non à la CENI, mais ils sont avec nous. Mm-hmm. Et moi, je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas seulement penser que quand on attaque la CENI, c'est ça la vérité. On peut attaquer la CENI parce que c'est la cible la plus facile à attaquer. Mais en réalité, si vous faites très attention, vous allez voir que cette CENI fait du bon travail. Et jusque-là, ceux qui nous attaquent n'ont pas encore produit une preuve pour démontrer que nous posons des actes illégaux ou que nous sommes partiaux. Ça n'a jamais été démontré. Il n'y a que des procès d'intention.